La deuxième fois que j'ai rencontré Daft Punk, c'était à FG. Et j'en ai gardé un petit souvenir. J'y suis allé sans savoir que je pourrais les voir. Donc j'ai attendu à partir de 10h. Et puis les gens qui travaillaient à FG ont commencé à me remarquer. Surtout que j'étais allé avec un casque Daft Punk, homemade. Et puis bon, bah, vers midi, un gars du staff de FG m'a annoncé la bonne nouvelle de m'inviter à 17h pour les voir en interview, et j'étais encore aux anges, j'étais le plus heureux. J'ai pu aller en face d'eux, les voir, et ces deux canettes en témoignent. Deux canettes dans lesquelles les Daft ont bu. Thomas boit du Coca normal, et Guyman boit du Coca Light. Faut dire qu'il sortait d'un sacré régime. D'ailleurs, la deuxième fois qu'il m'a vu, bah, il m'a dit cette phrase « Ah, toi, t'as pris du poids et moi, j'en ai perdu. » Tout a commencé par Interstellar. Ils ont commercialisé des petites figurines à 5555 exemplaires pour la modique somme de 55 euros et 55 cents. C'est devenu du pur collector, ces figurines. Les figurines Action Hero, qui est la première version de leur costume, avec les fameuses batteries pour les LED de leur casque. Donc ensuite, on a eu des petits beer bricks sortis avec le coffret Interstellar 5555. C'était une version japonaise et ça représente leur costume de Discovery. C'était un coffret qui coûtait quand même plus de 100 euros, je crois. Mais bon, on ne compte pas quand on est fan. Les deuxièmes versions de Action Heroes en Human After All, c'était ceux-là. Pour moi, c'est vraiment les plus belles. Je pense que c'est le fait qu'ils soient en cuir. Même au niveau du casque, il a été un peu modifié. Il est vraiment beau. Donc là, Thomas tient les Kubrick 100% Human After All Remix. Donc on alternait en fait Kubrick, Beer Brick. Beer Brick, ça représente un petit ourson, c'est un peu plus mignon. Et du coup, bah, ils nous ont fait aussi des versions à 400%. Voilà, donc c'était bien de les avoir en version 30 cm, quoi, c'est génial, je trouve. Puis c'est beau, c'est mignon. Donc ensuite, bien sûr, on a eu les versions 1000%. C'est quand même l'objet qui a été dur pour les fans à acheter quand même. C'était dans les 800, je crois. 800 euros les deux. C'est fou maintenant, ça flambe sur eBay, c'est incroyable. À des prix exorbitants, quoi. On a eu le droit à une collection sur Tron. Donc là, Disney s'est fait plaisir, hein. Ils ont commercialisé au plus vite les figurines, hein, je pense, hein. C'était bien pour eux de s'allier avec un duo comme ça, avec une identité visuelle et tout. On peut voir, hein, quand même que les casques sont un peu plus fins par rapport aux anciennes Action Hero. Ce serait triste de les laisser enfermés dans une boîte, quoi. Je me suis même séparé des boîtes parce qu'elles prenaient trop de place. Puis bon, j'ai pas d'envie de revendre ou etc., quoi.
J'ai eu cette envie, en fait, de proclamer mon amour pour Daft Punk et de me faire connaître comme le plus grand fan. Et le meilleur moyen, c'était de se faire connaître sur les forums, sur les blogs, sur tous les réseaux sociaux, le peu qui existait déjà en 2005. L'aventure Daft World a commencé en fait en 2005 quand j'ai rencontré ma femme. J'avais bossé sur un travail à l'école et puis bon bah spontanément j'avais travaillé sur les Daft Punk, donc j'avais écrit une biographie, etc. Et puis bon bah ma femme elle m'a dit pourquoi tu mets pas ça sur un skyblog? À l'époque ça cartonnait, tous les jeunes étaient dessus, donc bah, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Et puis, de 10 pages, c'est passé à 100 pages, après 200 pages. Et puis après, bah, il a fallu s'exporter sur Facebook, il a fallu aller sur Twitter, etc. C'est devenu un peu un rituel, une habitude de se lever le matin, d'allumer l'ordi, de regarder les pages des autres fans, regarder Twitter, tout ce qui traîne sur les Daft Punk. Là, par exemple, il y a une bande-annonce qui vient de ressortir. Ce que je vais faire, c'est si elle m'intéresse, je la pique et je la mets sur mon compte YouTube. Et du coup, je partage plutôt mes vidéos, comme ça, j'ai plein de vues. Bah, c'est vrai que j'ai été beaucoup décrié sur Internet. Il y a une époque où j'ai beaucoup fait parler de moi, surtout avec les canettes. Je fréquentais des forums, donc tout le monde a la liberté de parole et tout le monde pouvait me critiquer, dire ouais, Daft World, c'est un copieur-colleur. Giorgio est tendance. Et après, il y a quelqu'un qui dit il peut remercier Daft Punk. Par exemple, ça, c'est une phrase qui va me plaire. Par exemple, je vais pouvoir la prendre et aller la taper sur mon Facebook. Sur Facebook, il va y avoir une discussion sur les Daft Punk, ils vont me taguer, ils vont dire « Attention, Daft World va te repiquer ton poste et tout. » Comment ne pas faire le buzz en 2015? On voit une photo des Daft en plus, donc fatalement, il y a un rapport avec les Daft. C'est parfait. Donc, je vais pouvoir copier-coller et reprendre leur article. Il y a toujours une actualité à mettre, je remets d'anciennes vidéos, je fais des vidéos modestes de ma collection, donc je m'amuse à faire des vidéos de mes déballages de cadeaux, de coffrets, d'objets collector, etc. Voilà, magnifique, magnifique, magnifique! Oh là 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 là! Wow. Oh là 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 là! Ah, il est beau! Oh là 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 là! Vintage à la mort! Voilà Daft World, l'impressionnante collection de Daft World, incroyable.
En fait, j'ai toujours eu des problèmes de santé au niveau cardiaque. Donc, j'ai eu un souffle au cœur de naissance et une malformation en fait cardiovasculaire. Donc, j'ai deux valves au lieu de trois. Et deux valves au lieu de 3012, j'ai fait une tachycardie. Donc, moi, je le vivais bien, bizarrement. Et puis, bon, tous les voyants étaient au rouge et les médecins ont dit qu'il ne fallait pas attendre pour faire une opération lourde, comme on dit. Donc, c'est quand même à cœur ouvert, etc. Donc, ça a été une épreuve. Quand j'ai fait mon opération, dans mon sommeil, j'ai bien rêvé des Daft, que en fait ils passeraient sur Canal+, dans le grand journal, etc. Et que je faisais tout pour pouvoir y assister, etc. Donc ça prévoyait des choses, c'était des rêves un peu prémonitoires. Facebook, c'est aussi pour ça qu'on aime bien, je pense, que mettre des photos de soi dans des épreuves et d'avoir le soutien des gens qui répondent, qui te disent bon courage, tiens le coup, etc. Ça fait quand même plaisir. Même des personnes qui m'ont détesté ont refait un peu leur mea culpa et puis ils ont dit ouais, ils subissent une sacrée épreuve, donc voilà quoi, respect. On était en pleine promotion Random Access Memories, donc je suivais toujours l'actualité des Daft Punk de ma petite chambre d'hôpital. Parce qu'en plus, après l'opération, je suis allé en maison de repos, donc je suis resté 3 mois, donc j'étais vraiment 12 heures sur 24 là-dessus, quoi. J'avais vraiment du temps là. Ça, c'est de la bombe. Ah, c'est trop beau. Magnifique. Peut-être que la promo Random Access Memories m'a fait oublier un peu ce quotidien hospitalier qui est pas super à vivre pour n'importe qui, bien sûr. Pour tout fan, avoir une photo avec ses idoles, c'est quand même énorme, quoi. Surtout que maintenant, les Daft refusent catégoriquement de faire des photos. Parce qu'avant 2000, ils continuaient de faire des photos avec des fans démasqués, etc. Mais à partir de 2002-2003, ils ont commencé à mettre leurs mains sur leur visage. Dernièrement, Tamashii, qui n'est autre que Bandai, nous ont sorti une version de Human After All. Donc on a Guiman.
Et on a Thomas. C'est vraiment des figurines qui s'articulent beaucoup plus depuis Human After All, en fait. Leur casque ne s'allume plus. C'est vrai que ça manque, ça. On aimerait bien qu'ils remettent des petits cœurs sur leur casque et tout ça, quoi. Qui nous montre un peu d'émotion. Je devais aller à une soirée de Sébastien qui présentait en avant-première son album. Et donc, étant fan de Sébastien et j'adore ses mix, je voulais absolument y aller. Donc j'y vais. J'avais un doute de pouvoir rentrer à la soirée, donc il fallait que j'aille retirer des sous. Donc je vais au distributeur de billets, normal. J'attends mon tour, donc il y a quelqu'un devant moi et qui a les cheveux un peu mi-longs. Et je calcule pas, quoi. Donc après, je vois débarquer Sébastien Tellier, choqué. Waouh, Sébastien, je suis trop content de te voir et tout, depuis le temps que je voulais faire une photo avec toi et tout. Et après, je vois Kavinsky sortir du café-restaurant et puis il sort « Oh, Guimane, t'es dans la merde !» Et puis je me retourne, je fais « Non, c'est pas vrai. » Il était pas retourné, il faisait semblant en plus. Et après, il se retourne tout lentement et tout. Et là, je commence à crier. Waouh, c'est trop génial et tout. Je suis trop content de te revoir et tout. Et donc voilà, c'était Guimane qui retirait des sous au distributeur. La moitié des Daft Punk devant moi, c'est incroyable. Exclu Daft Punk. Évidemment, j'ai une préférence pour Guimane parce que peut-être c'est son côté sensuel. Il y a un côté ouais un peu chaleureux. Ils ont expliqué que leurs casques, ils les avaient faits en fonction de leur caractère. Guimane avait un côté un peu lunaire, voilà. Un petit côté lunaire, un peu dans les étoiles. Il y a un côté ouais un peu je sais pas. C'est vrai qu'à chaque rencontre avec lui, c'était vraiment fun, quoi. J'ai croisé Rico et Guimane au concert de Kavinsky. Et ce jour-là, c'était un petit peu après mon opération, tout ça. Ils m'ont salué, ils m'ont demandé des nouvelles de ma santé, etc. Et j'étais vraiment, vraiment ravi qu'ils prennent de mes nouvelles comme ça. Guimane, la première chose qu'il me demande, si ça va la santé. En plus, je commençais mon régime, il m'a dit bon courage. Il m'a dit, moi, je suis passé par là, je sais ce que c'est, tu peux y arriver. Et puis, continue, quoi. Bah oui, parce qu'il sortait d'un gros régime et c'était incroyable. Il avait beaucoup changé, il avait perdu au moins 20-25 kilos. Après l'opération, j'ai perdu 6 ou 7 kilos. Et j'étais redescendu à 100 kilos, quelque chose comme ça, 102. Et il était temps de faire un régime pour perdre tous ces kilos accumulés en 10 ans. Rico, il m'a dit qu'il allait m'envoyer un vinyle de cri d'amour avec
avec sa dédicace. Et quand j'ai ouvert le colis, j'ai été surpris de voir... C'est incroyable, c'est magnifique, c'est super. Oh là là, je le remercie encore mille fois. Il m'avait promis quand on s'était rencontrés qu'il m'enverrait un petit colis. Et là, c'est... Je viens de le recevoir, je suis vraiment... Super! Oh là 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 là, des stickers! Yeah! Knight Club! Oh là 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 là! Tous les écussons de tous les artistes! Oh, c'est incroyable! Ouh! Je crois que je l'ai pas celui-là en plus. Ouh! Une dédicace de Rico et Guiman! C'est incroyable! Magnifique! Oh, depuis le temps que j'en rêve! Incroyable! Je ne l'ai pas en plus celui-là! Au bout de 10 mois, j'avais perdu plus de 45 kilos, quoi. Et donc, voilà. Ça a changé un peu mon aspect physique. Mon aspect physique. Nous n'avons pas choisi de devenir des robots, il y a eu un accident dans notre studio, nous étions en train de travailler sur le sampler quand, le 9 septembre 1999, à 9h09, très exactement, il a explosé. Quand nous avons repris conscience, nous étions des robots. À mon avis, ils ont fait ce choix de devenir robots parce qu'ils avaient fait le tour de toutes les astuces pour ne pas montrer leur visage. Et du coup, ils se sont dit pourquoi pas devenir des super-héros, quoi. Devenir des personnages à part entière. Dans ma propre ville, j'ai été reconnu par un fan qui m'a salué. D'être une page de fan et d'avoir des fans, c'est un paradoxe assez bizarre. C'est vrai que j'ai une petite notoriété, ne serait-ce que pour d'aller dans des soirées, d'être reconnu par certains. Voilà, les gens sont sympas quand je les croise, ils prennent une photo avec moi. Surtout que maintenant, il y a certains fans qui les croisent et franchement, ils prennent le temps de discuter avec eux, tout ça, ils expliquent bien qu'ils peuvent vraiment plus faire de photos, quoi. Si c'était à refaire, je jouerais le jeu des Daft et je ne me serais pas montré. Ce qui aurait été encore plus